Leslie MC avec l'homme qu'on appelle Gradio Black Brut. Hein? SMS Remix. Black Brut, elle pique sale la petite quand même. Hein? Elle envoie. Hein? Elle envoie. Hein? Elle, envoie elle a du coffre comme diraient les Français. Hein? Elle a du coffre. Elle envoie. Hein? Gradio, elle a du coffre ou quoi la petite? Hein? Tu la connaissais avant ou quoi? T'avais déjà entendu un peu parler d'elle? J'ai déjà entendu ce que c'est Divis qui cherche. Tout à fait. Peut-être un feat qui sait à bientôt. Hein? Est-ce que vous avez déjà eu, vous avez déjà fait un feat, vous avez eu peur de vous faire manger par la fille justement en featuring? Une fille peut pas manger un mec justement. Non, tout est possible, mais on n'a pas peur, on est des compétiteurs, y a rien, on est là. Y a peur de personne. On est là. Pourquoi avoir peur? Hein? Y a pas de raison d'avoir peur. Non, bon. Après, Leslie, elle est jeune, elle envoie. Moi, je connais depuis pas très longtemps. J'ai découvert il y a quelques mois, et des petites vidéos, des petits freestyles qu'elle a envoyé sur Facebook. Tu sais, on clique souvent, faut pas croire, on est aussi. Je suis tombé dessus, on m'avait parlé d'elle, et non, j'ai adhéré. Et il y a pas mal de rappeurs qui font des featuring justement, ou des reprises justement SMS Remix. Vous vous montrez pas. Et aujourd'hui, spécialement pour la petite, vous vous êtes montré. Pourquoi alors, justement? Alors, je vais t'expliquer. Hein? Tout simplement parce que son manager, le gars qui la gère, c'est un frère direct. Ah, ok. Donc c'est compliqué de refuser quelque chose, quoi que ce soit. Donc voilà, il nous a appelé. Et en même temps on était en show à Grigny ici. Donc voilà, ils sont venus. Et puis, c'est son manager, c'est un frère direct. Donc c'est pour ça qu'on est là. Ça n'a rien à voir avec les autres, tu vois, il y a pas mal de mecs qui... Il n'y a pas d'embrouille, hein. Non, il n'y a rien, c'est pas... Quand on va faire, même pas de clash, hein, justement, dans SMS Remix, hein. C'est pas du favoritisme ou quoi, c'est juste que voilà, son manager, c'est un grand frère. Et il faut dire aussi la vérité, et kick sale, c'est tout. Et kick sale, oui ou non, vraiment, Gradio, et kick. Et kick. Et kick sympa. Peut-être dans le futur album de Gradio, non, je rigole. Tonton Marcel, il force la main, là. Marcel, les dernières questions polémiques. Tonton Marcel. Mais Gradio, t'es beau dans la marque MG, là, vraiment. Hein, c'est... tu connaissais un peu cette marque-là? Tout le monde la porte actuellement, là. C'est une belle marque. Et tu lâches plus le bob, le frérot, là. Pourquoi aimes-tu comme ça, le bob? Pourquoi? Ça me va bien, je crois. Hein? Ça te rappelle Bob Marley, non? Comme j'ai jamais les coins, tu vois. Tu sors. Justement, Leslie MC, pourquoi as-tu voulu justement faire ce remix? Bah au début j'étais pas trop chaude pour le faire et après on a voulu faire ça comme ça. Parce que j'aimais bien le son aussi, j'ai écouté tout le temps. Dans les 1 million et quelques de vues, t'as cliqué aussi dessus quoi. Ouais bah oui. Voilà, donc t'as rajouté 1 million 1. Ah ouais voilà. Marcel, ouais, t'as avalé un coup. Non, il y a fouet. Hey, justement, je veux parler un peu de cette vidéo parce que je vois des freestyles que tu balances sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Et les gens, ils cliquent, tu kicks ça, les gens. C'est comme si on t'annonce quasiment comme la future Jams. Excuse-moi de dire ça, mais t'as une voix qui porte vraiment quoi. Quand tu rappes, pourquoi justement? D'où te sort justement ce coffre là? Je sais pas, c'est inné. Ouais. C'est naturel en fait. Leslie. Et en plus, t'as que 16 ans en plus, hein. T'es jeune encore, donc il y a encore une vraie marge devant toi quoi, vraiment. Ouais. Et comment tu rentres un peu dans le rap? Un jour j'ai voulu écrire un texte et j'ai vu que ça m'avait plu. Du coup j'ai continué. Avant je faisais des covers, des chansons et tout. Après j'ai voulu rapper. Voilà. Et j'ai pas lâché, je lâcherai jamais. Tu lâcheras jamais, jusqu'à temps que le CD sorte, l'album il sorte. Oh là là, ça va faire très très mal. C'était Tonton Marcel au cœur du terre-terre en esprit pour la caméra Endo.com. Mais tu sais que je vais pas te laisser parce que tu vas me faire un freestyle de malade là. Moi je veux mon freestyle. Là ah oui, ciao.